Salut, c'est Big John pour Brut. Je suis physionomiste en boîte de nuit depuis une quinzaine d'années. Je vais te donner quelques conseils pour t'éviter de te faire recaler en boîte de nuit. Les mecs qui arrivent bourrés en boîte de nuit, c'est comme si t'allais au restaurant avec ton assiette. Logiquement, le resto va pas te faire rentrer puisqu'ils vendent de la bouffe. Nous, on vend de l'alcool. Si t'arrives déjà déchiré en boîte de nuit, concrètement, on sait qu'on peut pas te vendre grand-chose. À moins que t'aies une black card et qu'on profite de toi. Mais là, c'est autre chose. Bah ça, je déconne. Quand vous venez en groupe, essayez d'être sûr de tout le monde. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, en 2019, les physios sont sans pitié. Et si sur 15 personnes, il y en a un qui ne correspond pas, il se peut que cette personne-là soit scoopée. En général, on est un petit peu plus subtil. On va en sucrer 3 ou 4 pour pas qu'il y ait une personne en particulier qui se sente visée. Parce que sinon, forcément, c'est vexant. Les gens qui se présentent en disant « j'ai un pote qui est à l'intérieur », dis-toi bien une chose, si ton pote est rentré sans toi, c'est qu'il savait qu'il allait pas rentrer avec toi. Donc, plutôt que d'insulter physio, insultez votre pote qui est rentré sans vous. Comme on dit souvent la nuit, l'argent ça t'achète des vêtements, mais pas du style. Le style, tu l'as ou tu l'as pas. Mais pour ceux qui l'ont pas, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller dans des boutiques toutes simples et regarder comment les mannequins sont habillés. Mais oubliez les marques style... J'aime pas citer de nom, donc les marques où il y a trop de clous, trop de diamants, les marques où ça brille. C'est pas parce qu'une veste coûte 20 000 euros qu'elle est forcément mieux ou plus stylée qu'une veste qui coûte 50 euros. Très honnêtement, en général, les gens qui achètent des marques sont des gens qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas de connaissance de la mode et qui achètent juste parce que ça coûte cher et parce que ça les fait se sentir spécial. Les gens qui connaissent la mode n'ont pas besoin de marques pour briller. Après, il faut avoir du style, mais du style, ça veut rien dire. Est-ce que moi, j'ai du style finalement? Moi, en tout cas, j'ai un style qui me correspond à moi. C'est à vous de savoir où est-ce que vous allez aller et comment les gens ont l'habitude de s'habiller. Mais le mieux, c'est de rester fidèle à soi-même. Bon, admettons, t'es pas de style, t'as pas d'argent, tu te trouves pas très beau et il n'y a rien vraiment pour aller de ton côté, bah, essaye au moins d'avoir un sens de l'humour. Si t'arrives avec une bonne blague, t'as de grandes chances de rentrer. Moi, j'en ai un qui m'en ont fait. J'ai même des mecs qui m'ont fait des tours de magie. Et c'est passé quasiment à chaque fois. Mais par contre, ta blague a intérêt à être sacrément bonne. Parce qu'on est des connards, mais on s'est rigolé quand même. Une fois que t'as le style et que t'as tout ce qu'il faut, finalement, il te reste plus que l'attitude. L'attitude, c'est aussi très important. Tu peux être la personne la plus belle de la Terre, la fille la plus belle de la Terre, le mec le plus stylé de la Terre. Si t'arrives en faisant la gueule ou en faisant le mec vénère, c'est pas la peine. Si t'arrives de manière arrogante en pensant que tu viens chez ton père, c'est pas la peine. Si t'arrives en pensant qu'on est tes esclaves et que tu nous ordonnes de t'ouvrir le cordon, c'est pas la peine. Tu peux arriver souriant, un petit peu confiant mais pas trop, à toi juste de savoir trouver la bonne jauge. Parce que si jamais c'est trop, c'est non, et si c'est pas assez, un mec qui arrive et qui a robe de se présenter, on va se dire, il y a un truc bizarre. Alors il faut savoir que chaque quartier a ses codes et chaque club de chaque quartier a ses codes. Donc du coup, c'est pas parce que t'es VIP dans un endroit que tu vas être VIP dans un autre endroit. Déjà, le mot VIP, faut l'éviter quand tu as une porte de boîte de nuit parce qu'on a horreur de ça. Faut te dire que chaque physio et même chaque club a un ego qui est propre à lui. Donc si tu te crois plus important parce que tu rentres ailleurs, sachant que la personne face à toi pense que son club est le meilleur, de toute façon, tu as tout faux et tu as des chances de te faire recaler. À partir du moment où on dit non, c'est non. Ça sert à rien d'insister. C'est non. Et on reviendra pas dessus. Moi, une de mes répliques préférées à une porte de boîte de nuit, c'est les gens, lorsque tu les refuses, qui disent « ça va, j'ai pas une tête de voyou, une tête de terroriste ». Ça fait à peu près 15 ans que je travaille en boîte de nuit, je sais toujours pas qu'est-ce que c'est avoir une tête de voyou, une tête de terroriste. Et les quelques personnes que j'ai refusées qui ont tenté de me donner une explication, très souvent, on fait une description physique qui me correspondait vachement. Donc, un conseil, ne vous aventurez surtout pas sur ce terrain-là. Quand on vous refuse, trouve autre chose, ou dites rien. Des fois, le silence est bien mieux. Si j'avais un conseil, je ne vous dirais pas de choisir un style, mais de choisir une période. Il y a des périodes qui sont très propices pour rentrer en boîte de nuit. Halloween, c'est le soir de l'année où tout le monde doit rentrer en boîte de nuit. Si tu te fais recaler le jour d'Halloween, c'est vraiment inquiétant. T'as juste à te déguiser et à te maquiller. Mais pas de masque, parce qu'un masque, on va te demander de l'enlever. Et si ta tête est, si t'as la tête d'un mec tricard, ou si t'as une tête de quelqu'un qu'on connaît pas, on ne fera pas rentrer. Mais si t'es maquillé de la tête aux pieds, ça ne se verra pas, tu passeras partout. Et il y a un autre moment de l'année où c'est propice pour que tout le monde puisse rentrer en boîte de nuit.
c'est la Fashion Week. Et il y en a 6 dans l'année, donc tu as de quoi faire. Tu vas me dire, comment est-ce que c'est possible de rentrer en Fashion Week en boîte de nuit, alors que c'est censé être là qu'il y a les soirées de marque, les trucs privés, etc. Bah, si tu regardes bien, les mecs de la mode aujourd'hui, en 2019, s'habillent comme les mecs de cité de quand j'étais jeune, c'est-à-dire au début des années 90. Donc si tu sors ton vieux jogging Lacoste et un vieux jogging Takini, tu mets une paire d'Air Max, une paire de TN, ou encore pire, une paire de requins, crois-moi que si tu baragouines un peu en anglais et que tu as une petite chatch, tu as de très fortes chances de rentrer partout en boîte de nuit. Parce qu'un mec qui se pointe à une porte de boîte de nuit avec ce style sorti des années 90, totalement dégueulasse, dont même moi je m'habillais pas comme ça à l'époque, et qui ose ça aujourd'hui, on va se dire, ce mec-là est trop sûr de lui, donc on va le faire rentrer.